Here's what happened round 7 of the FIM Motocross World Championship, the MXGP of France at Villars-Suzet-Caux. Who comes back, barges down the inside of Beniston. He wants that second place, he wants the opportunity of a race win. But how lucky was he at the top of the hill a moment ago? Ouais, forcément, j'ai envie de faire mieux que ce que j'ai pu faire à Saint-Jean ou à Ernée. J'ai envie de gagner ce GP et je vais tout mettre en position pour le faire. Depuis plus de 4 ans, 12 contrats au moins ont été parfaitement exécutés par ce mec. Un vrai fantôme. C'est quelqu'un de très précieux. Personne ne peut remonter jusqu'à lui. Pas besoin de faire des pompes, je suis vers le fond, je m'en fous que la terre s'effondre. Je vais la terre, je défonce, laisser la place au poids de ce dernier monde. L'entrée est grave, j'amène un plat pour toute la résistance. J'avais l'air résistant, j'ai trouvé l'angle. And Beniston hard on the brakes. Charges down the inside of DeWolf. Regains that second position. The back end lights up again on the number 74. T'es tellement concentré pour arriver au prochain passage aussi devant les fans et les entendre encore crier. Et que ben, au final, la pression, c'est pas la même que d'habitude. Quoi. Le vainqueur additionnel de ce Grand Prix de France s'appelle Simon Beniston.